Salut la Réunion, comment elle est? C'est Guillaume Espéz. Allez bien, ici Soleil y Pouac. Alors, aujourd'hui, nous parle des demi-finales, tout simplement. D'un côté, Nouneina, Espagne-Italie, et de l'autre, Angleterre-Danemark. Alors, bon, cette fois-ci, Nouneina 10 ballons à gagner. Donc, même délire, je trouve au moins un résultat, je t'y gagne un ballon. Donc, n'hésite pas, envoie les autres commentaires, Instagram, Facebook, Canal Plus Réunion. C'est parti. C'est maintenant. Alors, nous commençons avec Angleterre-Danemark. Angleterre-Danemark, on y pense que tout le monde y mise sur l'Angleterre parce que maintenant, jusqu'à présent, il fait un euro juste incroyable. Zéro but encaissé. Est-ce que tu te rends compte? Zéro but encaissé. C'est un exploit. Dans un tournoi comme ça, où les gars sont fatigués, il fait chaud, c'est fort, c'est très très fort. Donc, de voir l'Angleterre à ce niveau-là, chapeau à Southgate, l'entraîneur Bana, parce qu'il y a trouvé vraiment une formule qui fonctionne à merveille. Donc, les Danois, d'un autre côté, les Danois, ouais, pour moi, c'est encore la surprise de cet euro, surprise sans en être une. Mais Banal est là, ça va pas être facile parce que Banal aussi a trouvé une ossature, un fonctionnement qui permet à Zot d'être efficace aussi. Donc ça va être un match, je pense, un peu kiff. Mais moi, en tout cas, mon favori, c'est l'Angleterre. Il prend plus de risques, c'est demi-finale. Donc les grands joueurs répondent toujours présents, grand rendez-vous. Harry Kane, il commence marqué. Donc allez, for me, it's England. Want a cup of tea? Deuxième match, Italie-Espagne. Bon, à moi, des autres, mon favori, c'est l'Italie depuis un moment. L'Espagne que l'élimine la Suisse, hein, n'a pas été facile. Mais voilà, l'Espagne est là. On retrouve quand même deux cadors, l'Italie et l'Espagne. Je pense que sur le plan football lui-même, il fait plaisir de revoir ces nations-là présentes devant la scène. Mais voilà, s'il faut choisir, moi, mon petit coup de cœur, c'est quand même l'Italie. Maintenant, Nala perd quand même un joueur, pour moi, majeur de cette équipe, Spinazzola, parce que le gars, c'est une machine, quoi. Là, il a fait opérer de son tendon d'Achille, mais il a fait un euro incroyable. L'Italie, c'est une équipe, franchement, que la surpris à moi, parce que nous avons l'habitude avec le Catenaccio, et quand on voit Chiellini, Bonucci en défense, on dit, c'est n'importe pas de risque, ça jouait bas, et ça fait à mes affaires, quoi, mais pas du tout. Il y en a deux latéraux avec Spinazzola et Di Lorenzo. Les gars, ils bombardent, beaucoup d'efforts, beaucoup d'allers-retours, donc ils permettent au bloc de jouer quasiment à la mi-terrain. Donc, Insigne, que les on fire. Non, on a des super joueurs, un milieu de terrain, franchement, hyper talentueux, Verratti, Jorginho, tout ça. Donc, pour moi, mon coup de cœur, c'est quand même l'Italie. Et je pense que l'Italie passe contre l'Espagne, même si d'un côté, les Espagnols aussi la retrouvent une certaine... Certaines régularités, certains automatismes, une défense qui pour moi il reste quand même un petit peu friable. Donc c'est une demi-finale et encore une fois, d'un point de vue joueur, les deux équipes se valent. Mais c'est une demi-finale et je pense que comme ils voient les Italiens avec l'émotion, avec les banais jouer, quand les gars ils tacent, quand les gars ils sauvent une action, les gars ils courent l'un sur l'autre, ils embrassent les autres. C'est ça nous aime de le football, c'est les émotions. Et je pense que les Espagnols, il y en a beaucoup plus de pression que les Italiens. Et que c'est pour ça que pour moi, l'Italie passe. Donc, ce qui va amener à nous à une finale Italie-Angleterre. Mais nous aurons le temps de reparler de ça. OK? Bon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bon pronostic à Zot. Et si Zot gagne un ballon, prochaine vacances comme il vient, il m'a une petite dédicace dessus. Allez, la Réunion, on nous retrouve. Ciao.